Et salut les pilotes, comme c'était prévu, on commence aujourd'hui la carrière Project Cars. Alors je vais vous faire une petite présentation et par la suite sur les autres épisodes, on va zapper tout ça, on va aller directement dans la course. Donc ce que je vais faire, je crée la partie directement avec vous. Et on est sur la première manche, donc on va prendre la formule rookie et je ne vous promets pas de faire tout. Toutes les séries, le karting, je vais peut-être le zapper, on verra bien. De toute façon, je sais pas encore le programme exactement que je vais donner à cette série. Donc, on prend la formule rookie et je vais me qualifier sur 2 tours pour dire de bien me placer sur la grille et pas être toujours en fond de classement. Et puis, de toute façon, je vous ferai un cut au montage, ça, il n'y a pas de souci. On va prendre la formule Asia. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les séries courtes. Pourquoi? En tout cas, pour démarrer, je vais faire comme ça. Je vais essayer de vous faire des vidéos courtes sur cette carrière pour ne pas vous lasser. Au moins, comme ça, on regarde quand on veut, quand on a 5 minutes. Et c'est parfait. Alors, je vais affiner au fur et à mesure le niveau de l'IA. Si c'est trop simple, je vais l'augmenter. Et inversement, si je suis à la ramasse, je vais la diminuer. On est parti, on va choisir sa livrée. Allez, on signe. Oui. Alors, ça va être dans les options. Hop, ma carrière. Non, c'est pas là. Paramètres de carrière. Voilà, je suis à 110. 110,55. On va laisser comme ça. Et on va partir sur la première manche. Bon, alors nous voilà sur la grille de départ. Donc effectivement, je suis dernier. Donc il va falloir que j'ajuste un petit peu le niveau de l'IA. Alors qu'on a pris un très bon départ. Quand je suis à l'intérieur, je suis peut-être pas bien placé. On fait à l'intérieur. Toujours garder un filet de gaz pour éviter que le cul part trop parce que c'est très joueur comme voiture. Allez, on monte en cinquième position. Ouh. Je sais pas s'il se déboîte pour protéger sa place. Tout cas, ça a marché. Ouh, et ça tape devant. On va essayer de pas trop se faire distancer, sinon c'est terminé.
Allez, on en termine avec le troisième tour. Un peu de mal dans cette courbe-là. On va essayer d'au moins garder cette sixième place. Ouais, ce double enchaînement là que j'ai du mal à appréhender. Ouais, je suis pas trop mal là. Ah, je vais te déboîter, mon gars. Allez, on va essayer de maintenir ça. Pour le coup, je suis quatrième. C'est le dernier tour. Bon, on va finir quatrième, c'est pas trop mal. Pour une première course, c'est même pas mal du tout. Allez, on se retrouve pour la deuxième. Allez, c'est parti, on est à la deuxième course, je suis quatrième.
Allez, alors qu'on a déjà pris pas mal d'avance. On va essayer de pas trop déraper parce que j'ai l'impression que c'est là que je perds pas mal de temps. Ça mâche pas derrière, hein. C'est toujours derrière à moins d'une seconde. Ah, je me suis complètement foiré. Ah, ça vient me toucher. Allez, on entame le quatrième tour. On va essayer de tenir. Va repasser la seconde pour prendre un peu de grip. Un peu plus de couple pour se sortir de là parce que. Allez, plus que deux tours. Allez, toujours en tête pour le dernier tour.
Allez, plus que deux virages et ça va le faire. Je devrais être pas trop mal au classement général. Yes. Ouais, donc on est premier sur la manche. Au général, ça nous met premier avec 54 points. Nicolas Chong en deuxième et Mathias Beck troisième position. Et en équipe, on est premier également. On fait P1 et P3. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse. On vient de terminer la première manche. Donc le championnat asiatique de Formule Rookie est acquis. Voilà, donc on verra sur la prochaine vidéo si je fais la suite, c'est-à-dire on va choisir la série, pas celle-ci. Ouais, l'euro directement. On se retrouvera pour ça à la prochaine vidéo. Voilà, allez, salut, bonne journée, bonne soirée, à la prochaine.